française en maillot rouge. Là, on ne donne pas de notes, hein, là, tout de suite. Hein. Non. On les garde pour nous, Pierre. Hein. Qui a choisi la couleur du maillot? C'est moi qui ai choisi, mais bon, on avait jusqu'à un problème. On a eu il y a un mois, et bien on avait un maillot qui était noir. On nous a demandé de changer de couleur donc et de forme, et on l'a fait. On a choisi un maillot rouge très rapidement. Alors c'est vrai qu'on vous a demandé de changer la musique aussi. Oui. Une polémique s'est développée, a pris beaucoup d'ampleur, et il y a 4 mois à peine, vous avez été obligé de tout reconstruire. Il n'y a même pas 4 mois, il y a à peu près 5 semaines. On a refait toutes les musiques. On a refait le maillot et on a conservé une grande partie de notre programme. On vous avait reproché l'interprétation que vous aviez faite de la musique du film La Liste de Schindler. Oui, on nous avait reproché de toucher un thème pareil. Voici un portrait extrêmement difficile à réaliser puisqu'elle n'a absolument pas de moyens de se tenir. Il faut beaucoup d'équilibre et vraiment une bonne synchronisation des vinageuses. Alors une grande partie technique, elles vont rester très longtemps sous l'eau et notamment elles ont beaucoup les jambes à l'oblique, ce qui est excessivement difficile à faire. Petit porté. Cette partie exprimant la force. La puissance. Ce ballet, Marianne Ashbacher, qui est la plus ancienne, elle a 25 ans, et la plus jeune de l'équipe de France, et aussi de toutes les finalistes, Virginie De Dieu, 17 ans à peine. Virginie De Dieu, qui a fini l'année dernière, vice-championne du monde. Junior. Ça, c'est la musique de Christophe Colomb, que vous connaissez. Un grand moment artistique. C'est extrêmement difficile de faire une ligne pareille. Beau mouvement technique, là aussi très difficile à réaliser parce qu'il faut garder les mêmes espaces pour ne pas se cogner. En tout cas, ça plaît au public. La fameuse position verticale que l'on retrouve partout dans le ballet. Il y a une musique originale aussi composée par Jean-Michel Collet, c'est ça? C'est ça. Là-dessus, elle nage une émotion qui est la peur. La musique est assez stressante, très répétitive. Et les mouvements sont répétitifs. Alors, en natation synchronisée, il faut nager sur différents styles de musique, différents tempos. Il faut être capable de nager très vite, puissant, avec beaucoup de puissance. Il faut aussi savoir nager sur des musiques lentes, avec beaucoup de grâce. Porté. Alors pour se synchroniser, bien sûr, elles entendent la musique sous l'eau et tout est compté. Grande difficulté technique, la vrille. Il y a eu une petite erreur de synchronisation.
Là, on regarde la hauteur au-dessus de l'eau, la fluidité des déplacements. Une autre partie technique. Et voici un autre mouvement original que nous appelons la roue, créé par l'équipe de France. Et nous finissons par un porté. Porté de deux nageuses, extrêmement difficile à réaliser. Voilà, 5 minutes et 12 secondes de spectacle pour des années.